Tout d'abord, il va falloir commencer par créer le clip ou le titre voulu. Nous allons choisir un titre qui se trouve en bas à droite, mais nous n'allons pas le laisser là, et nous allons, grâce au keyframe comme expliqué lors d'une ancienne vidéo, animer ce titre afin de le faire bouger à l'écran. Par exemple, merci d'avoir regardé arrivera par la gauche de l'écran, tandis que à bientôt arrivera par la droite. Maintenant que notre animation est terminée, que notre titre est exactement comme nous voulons l'avoir, il serait temps de le sauvegarder quelque part. Pour cela, il va falloir aller dans l'onglet Media Pool en haut à gauche. Puis dans Power Beans Master. Il n'y a plus maintenant qu'à faire un cliquer déposer pour rajouter cette animation et ce titre à la liste des titres animation qui existaient déjà. Il suffit maintenant de faire un clic et déposer, comme vous le voyez à l'écran, afin de créer une copie de ce titre, ainsi que de l'animation qui avait été créée avec, comme vous le voyez, le fait qu'il y ait un fondu au noir à la fin. Voilà, merci d'avoir regardé. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que le cadre rouge que j'ai utilisé dans cette vidéo, ainsi que les textes bleutés, ont été fabriqués il y a un bout de temps et que je les réutilise maintenant à l'envi quand j'en ai besoin. Vous venez de travailler sur votre vidéo, vous avez préparé le son, vous avez mis en place les plugins, vous avez choisi l'equalizer ainsi que les dynamics, et vous aimeriez pouvoir réutiliser exactement les mêmes choses lors de vos prochaines vidéos. Heureusement pour vous, Fairlight, qui est la table de mixage, a prévu une option pour vous. Vous allez dans le menu Fairlight, Presets Library, et à l'intérieur, vous pouvez filtrer en fonction. Vous pouvez par exemple n'enregistrer que l'equalizer que vous avez fabriqué, ou uniquement le choix des dynamics que vous auriez préparé, des plugins que vous avez choisis, de l'ensemble d'une piste audio, par exemple la piste audio 1 ou 2 ou 3, ou carrément toute la console, c'est-à-dire tous les choix de plugins, l'equalizer, les dynamics, le pan, etc. Donc, je me suis personnellement préparé une petite chose, et il me suffit de l'appliquer pour appliquer en fait tout ça. Je vais donc vous montrer en direct. Je vais enlever tout ce que j'avais choisi jusqu'ici. Hop, je vais effacer tous les plugins. Voilà, tout a été enlevé, l'equalizer est remis à zéro. On a le minimum, et vous allez voir maintenant qu'on est dans Fairlight, Presets Library, je choisis Full Console Presets, Pierre Test, et je clique sur Apply. Et vous voyez ici que ça vient de revenir. Mais alors, comment le fabriquer? C'est assez simple. Vous faites vos options, vous choisissez, vous allez dans Fairlight, et vous allez exactement au même endroit, Presets Library, vous choisissez ici ce que vous voulez, et vous cliquez sur Save New, vous tapez un nom, et voilà. Si vous voulez mettre, par exemple, vous avez décidé que l'equalizer ne me plaît pas, je voudrais le modifier un petit peu, vous faites vos changements, vous allez toujours au même endroit, Fairlight, Presets Library, vous allez là-dessus, et vous cliquez sur Save New. Et là, il vous propose soit de mettre à jour, Update, soit carrément de créer un nouveau avec les nouveaux changements que vous auriez fait, que vous pourriez donc appeler, par exemple, à Pierre Test numéro 2. Il suffit de cliquer sur Update, et ça met à jour. Bon, moi j'ai déjà ce que je veux, donc je vais cliquer sur Cancel.